Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un week-end de folie. On l'a fait il y a 2 ans le Dobbs. Les caisses à savon. Ouais. Mec, c'était il y a 2 ans. T'imagines ça? J'ai l'impression, c'était en vrai de vrai, j'ai l'impression que c'était l'année dernière. L'année dernière, ouais. Ils nous ont reproposé, on a dit oui direct parce qu'on avait adoré. Bouzy va pour la win parce qu'encore une fois, c'est Bouzy qui va conduire. Bah, à la base, c'était Bouzy et moi. Mais du coup, vu qu'on est en live Twitch demain. Et je voulais pas que tu deviennes un host parce que toi, t'es pas un host, toi t'es un bon. Donc on pourra un peu t'appeler Dwagvi, vu que tu vas host. Là, si tu m'appelles Dobby dans le week-end, je réponds plus. Il a fait le test. Ça va Dwag? Ouais, tu vois, ça a marché. Mais refais le test l'autre. Ça va Dobby? Ouais les amis, en fait en gros, du coup, c'était trop nul. Du coup l'événement il est retransmis sur Twitch, sur la chaîne de Bouzy. Mais je m'en souviens de cette roue, oui, gros. Elle est vachement comme ça. Ouais, elle est vachement comme ça. Je répète tout là. Oh bordel, ouais, mais frérot, wow, en plus là t'es en manuel. Attention hein. Non, non, c'est Alex, c'est pas manuel. Je pense reste en une. Mais c'est quoi cette côte de bouffe? T'as vu la côte de malade? Ah, c'est une côte de bœuf. Ouais, les caisses à savon, en fait, en gros, simplement, c'est une course où c'est des véhicules un peu atypiques. Sans moteur, sans pédale. Voilà, et avec un parcours à zigzag, avec des obstacles, etc. Pourquoi tu regardes, Alex? Et le but, c'est d'aller le plus vite possible à la ligne d'arrivée sans se cracher, parce que ça se peut qu'on se tue. Hein. Non, pas se tuer. Non, mais qu'on se tue, genre... La voiture, ouais, elle s'éclate. Ouais, genre que... Vous avez fait des vrais trucs de zinzin. Ouais, des fois, tu peux t'éclater la gueule. Hein. Nous, on s'est éclaté dans le fond. Ouais, nous, on n'avait plus de frein, ouais. Mais voilà. N'hésitez pas, pour ceux qui savent pas de quoi on parle, à aller voir la vidéo d'il y a 2 ans, elle était top. Et puis, nous, c'est parti, écoutez, hein. Let's go. C'est parti pour 2 jours. Et demain, le bouseux qui nous rejoint. Le contrôle technique. On a notre numéro. Numéro 44. Ah oui, on avait choisi le nom. Crouton Racing. Ok. Crouton Racing Team. Voilà le genre de voiture. Voilà pourquoi je disais que bon, tu peux t'éclater la gueule. Hein. J'avoue que tu descends avec ça, frérot. Mais elle a pas passé le contrôle technique. Bah si elle est là, c'est que t'arrives peut-être à passer. Moi, j'ai pas trop suivi du coup notre voiture. Ouais. C'est une Formule 1. Tu nous avais demandé le thème. Ouais, c'est une thème Formule 1. Donc techniquement, on peut gagner cette année. Alors. Techniquement. Fernando, il dit, elle est hyper safe. Elle roule très bien. Il manque de vitesse. C'est pas la plus rapide. Aïe. Après, on va quand même essayer. Avec deux buffles dedans, ça devrait aller. Ouais, j'avoue, moi je vais rapporter du poids, j'avoue, en pleine descente. Oh, mais c'est excellent. C'est Prime Leclerc. Incroyable, parce qu'il participe aussi. Attends, mais ils vont être 3 dans celle-là? Non, c'est ça. Ah ouais, ok, j'allais dire, waouh. Attends, c'est pas la nôtre celle-là quand même, là-bas? Si, c'est celle-là, je pense. Mais attends, les bangers. Oh, ah, c'est celle de... Oh, c'est celle de Boko. Oh, les bangers aussi. Ouais, Boko, les amis, on avait fait la Fun Cup avec. Ouais, t'as vu? On avait fait la Fun Cup avec, et du coup, elle est énervée, la sienne. Elle est énorme. Ça, c'est la plus rapide? Fernando, il m'a dit. Ah, encore une fois, Boko, toujours un avantage sur la vitesse. Ouais, après, il sait la maîtriser. Il m'a dit, j'espère que celui qui l'a conduit, il a pas peur de la vitesse. Bah, il a l'habitude de la vitesse, hein. Putain, elle est incroyable. La G-Corp, ils sont là. C'est une roquette. Bah, attends, il est tout seul là-dedans. Mais elle est insane, wesh. Elle est incroyable. Bon, avec les roues et tout. Oh, mais attends, elles sont meilleures qu'il y a 2 ans, en vrai, les voitures, là, j'ai l'impression. Ouais. Elle est vraiment très très belle. Crouton Racing Team. Aïe aïe aïe. Oh lolo. Mais le bolide. Il a mis un halo. Halo de sécurité. Mais quel tue ça, mais. Attends, par contre, c'est moi qui sera là. Regarde. Oh, je suis dans la merde. Casse pas tout. Mais frère, attends, quoi? Casse pas tout. Non, je veux pas y croire. Il va me la donner. Mais je vais me chier dessus. Mais en plus, ça fait mal. Pourquoi je suis toujours à la pire position? J'avoue que là, c'est là que je... Ouais, sors vite. Ça a failli craquer, par contre, elle est insane. Attends, je vais m'asseoir en pilote. Elle est incroyable. Qu'est-ce que t'en penses, Benoît? Super belle. Oh, beaucoup. On va te faire concurrence, frérot. Je suis toujours pas rentré dedans. Mais non, vous voulez pas la langue. Ça va comme Akai? Bien, bah ouais, ça va. Putain, tu la trouves comment, notre voiture? Bah écoute, pas aussi bien que la nôtre. Apparemment, mais... la tienne, c'est la plus rapide. Bon. Mais tu sais pourquoi c'est la plus rapide? Parce que t'es le plus rapide. Voilà, exactement. Mais je pense que... La dernière fois qu'on a roulé ensemble, c'était l'année dernière. La dernière fois qu'on a roulé ensemble, déjà, on était coéquipiers. Là, on est concurrents. Tu sais, ce que j'ai hâte, là, avec vos pneus, là, c'est qu'il pleuve. Parce que je pense qu'il y aura beaucoup plus de grip avec des petits pneus comme ça. Non, il fait beau devant. Bah, tu sais quoi, je vais arroser la piste. Allez. Normalement, en train de pisser comme ça sur le bord de la piste, tu sais. Bon, il y a peut-être des trucs qui vont sauter pendant ma course. Hein. Bah, c'est le principe. Hein. Ah, il m'a dit qu'il avait mis un peu de...
Fernando, comment ça va? Bah ça va super, écoute hein. Ah bah oui. Ah bah voilà, ça va être beaucoup plus facile. Tu nous as concocté une pépite là, Fernando. Elle est dingue hein. Que c'est toi qui pilote cette année? Non, c'est Mouzi. Comment t'as prévu du coup pour derrière du coup? Pareil, ah bah, derrière, t'as... je suis allongé ou je suis assis ou je suis accroupi? Comment derrière. Comment tu vois le truc? Ou comme ça, ou alors comme ça, ou comme ça. Oh là 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 là. T'es grand toi. Ça va être quelque chose hein. Mais t'as rendre pas des à genoux ça va pas être le mieux. Parce que tu sais sur les bosses tu vas te défoncer les T'as pas sinon des gros Ah j'ai de la mousse une sinon. Grosse mousse. Une grosse mousse au niveau des genoux là. Ouais j'ai une grosse mousse. Mais vraiment grosse mousse hein. Ah ouais ouais j'ai un truc épais comme ça. Là si tu mets une mousse en vrai de vrai. En vrai t'es bien. Si tu mets une mousse juste au niveau des tibias on va faire ça. C'est pas mal. Par contre le mec le mec là il est mort. Le mec là il est mort. Tu vas prendre une bosse et... Bah c'est pas moi, c'est une technique d'ostéo ça. À tout moment si ça s'arrête devant, ça fait catapulte. vraiment. Ça fait un peu peur. Tu pars en avant comme ça. C'est ça qui est excellent. En plus c'est pareil que Bouzy hein. Attends, je suis pas sûr de le faire encore, je vais faire un Shifumi contre lui. Non, deal, c'est deal. C'est toi là. Non en tout cas elle est vachement belle hein. Allez, très très beau travail. T'as mis des suspensions de malade. C'est un devant de carte. Il faut rentrer par derrière. Et ils sont deux dedans. Ils sont deux dedans, pareil. Ah ouais, mais l'autre il va sortir sa tête là, quoi. Ouais, c'est bien là. Waouh. L'autre il sera debout. Là, tu rentres comme ça. Tac, tac, bon, tu t'assois. Et ouais. L'autre, c'est pareil, le même problème que toi. C'est où il est comme ça. Mais lui, par contre, il a rien pour le tenir derrière, quoi. C'est. Ou comme ça. Avec les genoux, c'est pareil, même problème. Je pense que sur les boss, il faudrait défoncer les genoux. Donc, celui-là, il va falloir qu'il soit comme ça. C'est sûr et certain, il va y avoir des belles surprises demain. Ça va être excellent. Par contre, celle-là, elle est petite, elle passe partout, quoi. Parce que là, la piste est plus dure qu'il y a deux ans. Ouais. Il y en a, ils le font tout seuls, des fois? Je sais. Là, non, mais là, question, deux, c'est une bonne question. Il y a les dents, mec. T'auras pas la salade comme l'autre fois pour te protéger. Oui, mais l'année dernière. Mais l'année dernière, on n'avait plus de frein, Ti. Ah oui, en fait, il y avait un concombre. Il s'est mis en dessous du frein. Du coup, à la fin, il fait pour freiner. Je vais bam, faire un on a petit tour de piste, moi. Je vais analyser. Vas-y, on va faire. On va voir la piste. Merci en tout cas, Fernando. Hein. T'es un crack. Hein. Trop fort, le mec. Il est vraiment trop fort. Là, c'est plus grand qu'il y a deux ans. Là, t'as l'impression de grandeur ou pas là? On s'en rend pas trop compte de la descente. Mais quand tu vois la descente là. Après, en vrai, premier degré, ça passe super vite. Hein. Ah, j'avoue, je te le dis, premier degré. Hein. Je me chie dessus un peu. Ils ont modifié le virage. Bah attends, mais là, si tu fais un tout droit, tu finis dans la ville. Ouah, ça fait bader ça. T'imagines, tu fais un tout droit. Il n'y avait pas ça avant. C'était plat. Là, ça va être surprise hein, ce truc là. Parce que je suis sûr, même eux, ils ont jamais testé. Ils savent pas ce que ça va donner. En vrai, je suis plus confiant avec notre voiture actuelle. Sauf pour ceux qui sont assis derrière. C'est moi qui est assis derrière. Mais ça va être drôle. Au pire, je me pète un truc. Hein. Bon, les amis, l'événement, c'est demain. Hein. Là, on va se reposer, prendre des forces. Et puis demain, grosse journée. Hein. Cette chaîne est dorénavant à moi, Dobouze. Voilà, c'est la chaîne de Dobouze. Valouz est clairement en train de dormir, mais moi je suis le jury et je dois aller noter la voiture de tout le monde. Toutes celles que j'aime pas, je mets 0. Toutes celles que j'adore, je mets 10. Voilà, c'est soit 0, soit 10. Donc on vous amène avec nous et on va voir un peu la création et l'histoire, parce qu'ils vont me raconter un peu leur histoire aussi. On va juger un peu leur histoire de voilà pourquoi telle voiture. Ouais. Indiana Jones, pas mal. Fast and Fondue, pas mal. À fond la braise. Oh là là. À fond la braise, ça on doit aller voir. Ça c'est les poissons que tu vois au fond de la mer, mais très loin je crois. Mais lui il est trop dans le bricolage. Et regarde, il voit des cartes. Regarde ce qu'ils ont fait là. Regarde ce qu'ils ont fait à l'avant. On doit noter la créa et l'histoire par rapport au dessin. Le problème c'est qu'il passe en premier. Du coup tu peux pas noter archi bien dès le début. On met pas des notes avec des virgules, hein, non. 8. Mais le boulot est légendaire. Moi j'ai noté la créa. Comment tu peux mettre la barre plus haut là? Je me fais gronder par mes collègues juges. Oh, attends. Celui-là il pète. Il arrive au virage. Il pète. Première botte. Là je vais aller me cacher pour mettre la note les gars. Désolé, j'assume pas. Salut. Bah écoutez, si je mange un truc, je mets des points en plus. Non, je rigole. Ah, mais il y a tout ce qu'il faut. Faut s'installer. Vous êtes des vrais Savoyards là? Non, prends-toi. Allez. J'ai les 10 km à faire de Paris, il faut pas trop que j'en mange, mais... Ah, ça, allez, mais alors elle est comment? Ça, c'est incroyable. Bon bah 10, hein. Parfait. Frérot, c'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans, tout pile. Le temps passe si vite. Ah, c'est la maison de Bouzy, en fait. C'est un peu le bordel. T'as pas rangé ta chambre. Tu vas te mettre allongé, là. Cette année, notre caisse, je l'ai vue hier, moi, elle est insane. Là, on vise la win. C'est la win. Alors, je sais pas si on vise la win. Si
incroyable. J'ai vu la caisse de Boco, il y a Boco. Il y a Boco, mais... Boco, mais Boco, sa caisse, elle est stylée et elle a l'air d'être giga rapide. Tu crois? Ouais. Après, on vise la win, on est des VIP, hein. Nous, on n'est pas dans le classement. Ouais, mais en termes donc, de... Donc tu pourras freiner. Ouais, mais non. C'est un peu plus dangereux qu'il y a 2 ans. T'es au courant qu'il faut travailler une Corée? Ah, putain, j'avais oublié. Bonjour. Bonjour, monsieur. Hey, Giggs. Ouais. Mais toi aussi, tu dois danser. C'est ça, hein. En fait, c'est le bracelet, là. Hein. Tu sais danser? Non. C'est les pilotes. Il faut qu'on travaille une Corée. Mais là, ça va, on a un danseur pro avec nous. Mais j'avoue, attends, mais j'avoue. Ah, mais on peut faire un cha-cha. Ou une valse. Alex et Giggs qui nous poussent, ils vont devoir danser parce que nous, on sera direct dans la voiture parce que c'est tellement dur à se mettre dans la caisse qu'on sera déjà assis. Par contre, les gars, poussez bien, faut qu'on gagne. Je vais chauffer Alex, on va vous. Moins d'une minute. Hein. Bonjour, monsieur. On pilote une caisse à savon. T'avances tout droit, là-bas, c'est les paddocks. Tu veux aller aux toilettes? C'est là-bas. En fait, c'est chez toi. On connaît, on est des habitués maintenant. T'es arrivé hier, toi. J'avoue, là, je fais le mec, j'avais tout oublié. T'as abonné que tu t'es mis une grosse race hier soir. Non. À Toulouse. On est allé dans une guinguette, c'était une terrasse. Ah, ok. Ouais, c'était bien. J'avoue, j'ai bu quelques litrons de bière. Ok. Oh merde. T'as rendu hommage à la ville rose. C'était sympa. Bah, tu m'as dit, t'avais bu environ 5 litres et 10 cocktails. T'as vu le bolide, frère? Mec, c'est une Formule 1, mec. T'es où? Mais moi, je suis là, moi, frère. Non. Mais la vérité, je suis là. T'es mort, mec. Bah oui, je suis mort. Je vais être comme As. Mais regarde mes genoux, regarde. Oh non, c'est horrible. Mec, regarde mes genoux, oh il tape dans lui. Et du coup, bah une bosse, mais je vais te démonter. Hein. Ah, ça va me faire mal. Hein. En fait, c'est là, moi, je suis trop serré, je suis trop musclé. Non, je vais conduire comme ça. On est dans la merde. Ah ouais, mais là, mec, on est dans la merde. Mais quand je vais prendre des bosses, je vais m'arracher le fiac. Hein. Je vais m'arracher le fiac, là, mon cul. Là. Ça fait extrêmement mal. Regarde mon cul, regarde, je suis sûr les barres elles s'épousent avec les fesses. Ah oui, de ouf. Tu vois le genre? Ah mais là c'est baisé hein. Ah ouais putain, et quand je vais sauter? Oh, les bleus demain. Ah, si on tape de face on est mort. Parce que tu sais que si tu tapes de face, moi je pars en catapulte. Hein. Oui c'est vrai en plus. Je pars en catapulte. C'est chaud. Ah mais vous avez fait un ballon et tout. Là ce matin le siège il c'est était un là. Ballon de plage énorme qu'on a peint tout à l'heure. Il avait joué, il a touché le truc. Et du coup on a fait des ajustements. Regarde Andreas, Balou, il va être comme toi Balou. Il a juste ça. Il va être debout. Un peu comme Balou. Boko et nous qui prenons les risques. J'ai force en lui. Si Boko il prend la piscine, il prend la piscine. Ah il y a vraiment des voitures, elles sont trop stylées. Incroyable votre voiture. On dirait la nôtre d'il y a 2 ans. Ça dégage ou quoi là? Post Burger? Bien meilleur que Barouz. Donc là ça va être le stud. Ah c'est bien là. Et on aura le retour là. Incroyable. Ça c'est la zone de départ où on est en ce moment. Cette piste elle part avec cette rampe de départ 50 cm plus haut. Donc ça veut dire beaucoup plus de vitesse au départ, Joris. Oui, déjà on le voit de l'autre côté. Pour monter sur la plateforme c'est compliqué. Ah bah moi j'en peux plus. Donc pour descendre de l'autre côté ça va prendre énormément de vitesse. Et attention au radar à pas se faire flasher. Pour arriver ensuite, Vincent, sur le premier obstacle. Ouais, le premier obstacle qui est, somme toute, assez classique. Il était déjà présent il y a 2 ans, c'est la fameuse vague. Sauf que cette année, on a rajouté un petit peu d'eau. Oui, pour rafraîchir un peu les concurrents de Red Bull qui est sa savon ici à Toulouse. Ça, c'est le premier drop, c'est le premier jump. Red Bull donne des ailes et quelques sueurs froides, tu en parlais tout à l'heure. On continue avec ce long virage à droite pour le deuxième jump. Ouais, celui qui arrive juste après, c'est le jump Red Bull. Celui-là, classique, comme l'an dernier. Alors, il paraît pas comme ça, mais attention sur la réception, parce que les équipages qui n'ont pas prévu de bonne suspension, ça pourrait casser ici. On a vu quelques soudures dans les paddocks ce matin. Je pense que les soudures, certaines vont pas forcément tenir le choc. On arrive sur une grande ligne droite et on arrive sur une des grosses nouveautés. C'est le virage surélevé Opel. Il y a 2 ans, ce virage était à plat. Et bien, cette année, on a mis vraiment une inclinaison pour faire augmenter un peu la vitesse. Et puis, il était beaucoup plus large aussi, ouais. Vincent, il y a 2 ans. Là, va falloir très, très bien négocier ce virage pour éviter de finir dans la paille. Et puis, il y a 2 ans, c'était un embut de rugby qui terminait la course. Cette année, c'est un mélange de bitume, de terre, de bois, d'eau, de paille, enfin tout ce que la terre peut nous apporter, et ben on a mis tout ça sur le dernier drop, et là aussi il peut y avoir un peu de casse. Histoire de voir si les équipages qui sont arrivés jusqu'ici peuvent tenir le coup jusqu'au bout, vous le voyez, cet obstacle là, et pour être passé plusieurs fois à côté, ça va faire vraiment mal au dos ici. Hein. Avec BF Goodrich, qu'on voit bien notre partenaire, j'ai hâte de voir ce drop, et juste après on te retrouvera, Joris en bas de la piste. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau petit live. En gros, les amis, pour tout vous dire, on est au Red Bull caisse à savon. On avait participé à 2 d'ailleurs, il n'y avait plus de frein puisqu'il y avait un concombre qui s'était mis sous frein. Pour ceux qui s'en rappellent, voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo au passage, hein. Merci les gars. Mais il y a 2 ans, en fait, il y a eu
un seul accident. Là, apparemment, ils ont complexifié la chose. C'est exactement ça. La course, normalement, elle est un peu plus dure. Alors, j'étais le jury du coup ce matin. J'ai vu toutes les voitures. Mec, il y en a, quand on va les voir passer. Oui, jamais. Il y en a un, mec, je pense c'est légendaire. Ah ouais. Et là, cette année, il y a beaucoup de créateurs de contenu. Énormément, ouais. Il y a Prime Leclerc. Il y a Prime Leclerc, ouais. Voilà. Celui que je vais abattre le 7 décembre. Oh, là, tu dis, c'est qui vient tout à l'heure. Yes. Ça va ou quoi, les gars? Ouais, les gars. Vous êtes de Rennes, les gars? J'adore Rennes et Saint-Malo, quelle ville? Ça va. C'est moi le copilote. Bah attends, mais incroyable. Okay. Jean-Michel, est-ce que c'est indiscret de demander quel âge tu as? 62 ans et demi. 62 ans. Wow. 62 ans. Galère, si je t'aime, j'en mange des kilos et des kilos dans toutes les villes avec du Lerimo, du Lerimo. Oh, ça tangue. Oh, mais non, ils ont fait un système. Ben oui. Mais non. C'était génial. Waouh, c'était génial. On la voit avant. Oh là là, ça s'ouvre. On la voit avant. Aïe, 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 aïe. Le gros saut au final. Wow. Ils ont perdu des plumes, là, je crois. Par contre, là, c'est bon. Ils l'ont fini, mais t'as vu tout, finalement, ça se casse. 57 secondes, hein. Non, vraiment, pour le coup, ils ont géré. 57 secondes, en plus, c'est vraiment un bon temps. Hein. Oh, il y a beaucoup. Oh, c'est beaucoup, ouais. Ça va être beaucoup. Ah, ouais. Regarde, c'est vous. Regarde, ça corrige. Hier, il me l'avait partagé. Ok, c'est naze. Ouais, ça. Nous, on va même pas danser, gros. Dorian qui était en Formule 2 il y a quelques années d'ailleurs. Coéquipier de Russell. Russell aussi à l'époque. C'est la génération, toute la génération. Il a roulé avec Verstappen. Ouais, ouais. Donc là, ce qu'il veut, c'est vrai. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, c'est la poussée. Hein. Ah ouais, elle est magnifique comme ça, t'as vu? Ouais, l'info quand même. Ouais, elle fait peur. Il va voler au-dessus de l'eau là. Oh, parce que les roues de mobilette, ça. Attends. Ça fait rebondir. Les roues ont l'air de tenir. Okay. Ok. Il a freiné là, non? Il a clairement freiné là. Oh, il a freiné. Dieu, ces roues de mobilette, elles glissent de fou. On vient de me dire, mec, le nom de la voiture, jeu de mots. C'est quoi? C'est carte SD. Carte SD. Ah, pas mal. Pas mal, le blaze. Ok, 56-11. Ouais. Ce sera le meilleur, mais une fois que nous on va passer, ce sera plus le les meilleur. Les gars, vous me faites moins que 56. Et vous dites, je vois les gars, ils galèrent à freiner à la fin, s'il te plaît, freine. Hein. Ah, mec, je freine que à part sur une arrivée. Hein. Ah, c'était un truc de barjot. Elle allait trop vite, la note. Franchement, j'ai cru qu'on allait passer par devant. Heureusement qu'il y avait le nez ultra grand qui nous a arrêtés. Ouais, c'était chaud. Ah, ah. Bon. Fais pas ça. Oh. C'est pour ça, c'est vraiment. Mais ça, c'est dangereux. Vas-y, je t'en conjure. Vas-y, je t'en conjure, ne fais surtout pas ça. Hein. C'est quoi celle-là? T'as la ref? Ah, les gars, celle-là. Oh. C'est le châssis en bois. Le premier qui va pas finir, les gars. Attention. Ça va dans l'eau, là, c'est sûr. Ça a craqué. Ah, ça y est, terminé. C'est mort. C'est terminé. Ça a craqué. Ouais, c'est sûr. Ouais, ça a craqué, c'est fini. Oh non, putain, on l'a pas vu. Je l'ai pas vu. Regarde. Là, en fait, en atterrissant. Là j'ai corps. Ah là j'ai corps. Et regarde le copilote, il est comme moi. En tout cas c'est parti. Ils ont une belle voiture, hein, fabriquée par Fernando, comme nous. Elle est vraiment belle. C'est parfait en vrai. Hein. Pour l'instant c'est nickel, alors il n'y a pas eu d'obstacle mais. Ok. Oh, c'est passé nickel, hein. Vite. C'est passé très vite. Oh la roue, les roues avant. Ouais, y a du les roues avant. Ouais. Aïe. Je crois les écrous ils vont se barrer là. Bon, ça fait pas des noms. Il y a eu un truc qui s'est envolé. Et le copilote il doit subir. Ouais, ça va faire très mal au cul. Mais est-ce que les roues avant vont tenir sur le dernier saut? Attention. Ça va. Oui, en dessous la minute. Allez. Ah, il a perdu trop de temps à la fin. 59-61. Attention par contre à la. Ah, ok, ça va. Ça va, c'est ça très freine, ouais. Ça va? Toi t'as tout compris. Hein. Alors t'as le meilleur chrono le temps. De toutes les descentes, mais tu comptes pas. Ça, je compte pas. Je compte dans ma tête. Non. Tu comptes parmi les VIP quoi. Non mais en tout cas, ouais, c'était un truc de fou. Vous l'avez déjà fait. Mais quand est-ce que vous allez faire après là? Après. Voilà. Et t'as vu en vrai, ça paraît rapide en vrai. Hein. Toi qui es habitué à la vitesse. Non, honnêtement, c'est rapide, surtout quand t'as des jumps, tu sais pas ce que ça va faire. Ouais. Le premier jump, j'ai cru que j'allais m'exploser. Parce qu'en fait, votre voiture, elle faisait comme ça quand tu t'atterrissais. Bam. Ouais, bah, elle bougeait. On n'avait pas de suspension, du coup, c'est nous qui prenait tarif. Ouais. Et le frein, il freinait pas bien. J'ai essayé de freiner à la fin, botte de paille, ça m'a freiné. Okay. Les gars, vous devez y aller vraiment. Ok, on doit y aller. Bon, là, de toute façon, pas grand chose. Bon, des bisous, les amis. Des à bisous tout à vous. Souhaitez-nous bonne chance. Oh là, j'ai corps. Mais non. Accrochez-vous. Ah, ça tape. Si tu freines pas, ça secoue. Ça tape. Eh.
quand tu vas aller. Bon, Bouzy, tu sais ce que t'as à faire. On va y aller, les gars. On va aller changer, puis let's go, c'est notre tour. Ouais, c'est fort. Limite, je tombe dans la descente. Ouais. Malgré tout, au final, les compétitions reprennent. Pas mal de prochaines vidéos. J'aimerais bien aller dans le Tarn, faire du wakeboard. Voilà, trouver plein d'endroits un peu atypiques pour faire du wake. Et là, on vient de le voir. Ouais, j'ai le coussin. Vous êtes installé comment là? Ça va? Ouais, là, ça va. On a mis un petit coussin là. Et puis, on va voir, mais c'est la seule solution. Il y a le coussin, frérot. À tout moment, il finit dans le public. Et lui, il sort du canapé, je sais pas qui. Ça, c'est une vraie éclair. Attends, ils ont un petit fauteuil. Non, mais frérot. Nos champions. Les gars, ils sont arrivés. Vous avez pas remarqué, c'est Red Bull, mais pourtant, c'est couleur d'Hamilton. Messieurs. Et le numéro d'Hamilton. Eh bien, par tenue, on avait dit tout à l'heure. Les pirates, arrivés, c'est fait. Elle a un blouson noir. Elle a un blouson noir. Je vais faire un duel contre moi en F4 dans un circuit fermé. Ah ouais. Elle est pas comment avec nous. Avec nous deux. Ouais, c'est ça. Ah, je sais pas encore. Ok, bah ouais. La galette est servie. Vas-y. Et on a le droit de se. Les 20 ans sont terminés. Nous attendons votre verdict. Chantez si vous connaissez les paroles. Non mais pas crédible là. Ouais. Le jour de la pesée, pourquoi faudrait qu'on soit plus crédible que ça? On va travailler pour la pesée. Ouais, on sera moché de partout, je pense. Tout le monde. Bonne chance à toi. Son meilleur ennemi. C'est Léo, c'est lui qui nous a invité sur le projet. Ennemi sur le ring, ami en dehors du ring. Eh, hey, on est les prochains, les gars, en fait. Hein. On va demander à l'utilité. Oh, ça va être incroyable, le monde. Oh putain. Oh putain. Les gars, vous poussez, s'il vous plaît. Vraiment, vous poussez toute votre force. Oui, oui. Y a qu'un passage. Hein. Il n'y en a qu'un, les gars. Crouton Racing Team eut un invité hors compétition. Le Bouze, parle-nous un peu de cette histoire complètement folle que vous... Voilà, qu'est-ce que vous faites là? C'est la deuxième fois qu'on fait les Red Bull Caisse à Savon. Et cette fois-ci, on n'est pas là pour rigoler. On veut absolument le meilleur temps, même si ça compte pour du beurre. Donc on a demandé une Formule 1. Voilà, donc on a clairement une Formule 1. En termes de confort, ça va pas être trop ça, mais en termes de vitesse et d'aérodynamisme, normalement, on est 10 sur 10. Donc je fais confiance à celui qui a construit cette voiture, Fernando, dédicace à lui. Et on va essayer de faire top 1, quoi. Eh ben, top 1, c'est ce qu'on vous souhaite dans la hors catégorie. Et même dans la catégorie, ce serait cool que vous soyez le chrono référence. Je te laisse t'équiper parce que toi, il va se mettre un petit peu de temps pour t'équiper. Toulouse, s'il te plaît, je te donne le 3 et vous faites un joli décompte pour le Bouzeux et Valouze. 3! Allez, c'est parti. Oh oh. Sur les sauts. Mais on a tout donné, et franchement c'est ce qui compte. Faut demander à Valou si ça va. Valou, on voit un visage qui a souffert. J'ai pris cher. Oh, j'ai pris cher pendant les bosses. J'ai plus de tibia. Mais on est solide et on est en une caisse. Ça va. Eh bien messieurs, dames, en tout cas, merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour la team Crouton qui a rallié l'arrivée. Alors mon Val, les amis, et le retour du héros. Eh, vous, il a pas freiné. Hein. Ah ouais. Ah, mais, et la voiture est lourde. Hein. Les gars, ça a pris grave de la vitesse après le premier saut. Ouais. Mais en fait, au début, ouais, c'était lent de ouf. Ouais, c'était ils nous ont le pas début, c'est lent. Ouf, hein. Ouais, en fait, quand il nous a dit le score, je me suis dit merde.
Franchement, j'étais. Je pensais qu'on avait fait mieux. Moi, je pensais qu'on avait fait mieux. Surtout qu'on était à fond. Enfin, en vrai, j'ai pas freiné et. Moi, les gars, je pensais qu'on allait faire pire. Vous avez récupéré de la vitesse après le premier saut. T'as récupéré grave de la vitesse. Ok. Mais jusqu'au premier saut. En fait, la voiture est lourde et. Enfin, lourde et nous, on est lourd dedans. Ouais. Il y a eu un crash là, t'as vu? Non, j'ai pas vu. Merde, il y a eu un gros crash, quoi. Wow. Wesh. Ah ouais. Ah, pas stable la voiture. Premier saut, je suis surpris de malade. Ah ouais? Je vole mes pieds. Ils partent et j'ai touché le sol. Non. J'ai touché le sol derrière la voiture. Je tombe, wesh, c'est quoi ce bordel? Mais t'avais pas filmé GoPro, rien? Non. Ah bah, je pouvais pas tenir, impossible. Sur la tête, il y en avait une. Ouais, j'en avais une sur la tête, ouais. Ah, vous l'avez collé là? Il y en a une qui l'a collé, ouais. Par contre, bah j'ai dit à Bouzy, freine pas. Ça sert à rien. Ouais. Parce qu'en vrai, c'est pas. Ouais, ça allait pas vite. On allait pas vite. Je pense qu'on allait plus vite il y a deux ans. Ouais. Par contre, les sauts, ils étaient plus violents là. Ok. Ouais. Et les pousseurs là, ils auraient. Ils ont. Et alors, il est tombé dans la descente ou pas, Alex? Non. Je lui ai dit de pousser vraiment jusqu'en bas de la descente. On lui a dit, même dans la descente, continue. Je pense que vous alliez pas vite parce que les poussières, vous aviez pas poussé. Ah ouais, ouais. Ah, c'est Frank My Life là? Oh. Ouais, si, c'est lui, je crois. C'est celui qui a une collection de voitures, de zinzin, des films. Voitures taxi, Fast and Furious. Jurassic Park et tout là. Jurassic Park, Batman. Need for Speed. Ouais. Ok, pas Need for Speed. Fast and Furious. Ça va vite là, non? Attends, il va vite de zinzin là. Le drone n'y suit pas. Juste après, on revoit votre descente, les gars. Oh, pas là, il s'est fait mal. Oh, ils se sont très mal, il s'est arraché là. Heureusement, il a les protections, heureusement. Oh, mais attends, mais ils avaient que 3 roues. Attends, mais ils se sont tués là. Oh, ils se sont tués la gueule. Les médecins sont là. Les médecins sont en bas, donc ils vont remonter, mais non, la salle est là. Heureusement, ils sont bien protégés. Oh, ils se sont tués. Attends, il va y avoir le replay. Là, juste après cette course là, on voit notre course. Enfin, votre course, les gars. Ok. Ok. Après, les roues, 3 roues en plus des roues de vélo. Excuse-moi, mais c'est compliqué. Comment il a volé, frère? Oh, oh là. Ça va être là. Les gars, c'était... Attends, cette scène-là va être magnifique. Oh là. Ah ouais, c'était... Lui, son objectif, c'était d'aller le plus loin possible. Là, il n'y a pas de casque qui peut se fracasser. Ouais, ah oui. Il peut se faire très mal. Regarde Valise. Oh, ça va, on me voit pas. Oh merci. Si, ça y est. Ouais, les gars. Moi, c'est malaise. Oh, c'est malaise. Voilà, il nous lance. La caméra de dos, ça va. Oh, si ça va, du coup. Ah, ils ont sauvé le truc là avec. Ça méritait pas deux. Non, les gars, ça allait pas du tout. C'était naze. Quoi, on a eu deux? Oui. Oh, oui, on a eu un et un deux, je crois. Ouais. Et là, on va voir votre descente. Le chat, la descente arrive. En plus, le speaker, il nous a démoli. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais, il nous a bien. Il a bien dit en mode c'est la grosse merde. Ah oui, il a dit, j'espère que vous êtes meilleur en pilotage. 2, 1, 2, 10. 10 et 7, ça va. Voilà, c'est bien. Ils sont gentils. 7 en vrai, ça va. Charles était avec toi hier, ah je pense. C'est bon ça. Oh, le gros plan là. Oh, le gros plan, quel beau en mode pilote. Oh là là, mais ce casque est magnifique. Ah oui, le carrossage de fou. Bah oui. Ah oui. Bah, dès que Valouz s'est mis dedans. C'est quoi du carrossage? Regarde, attends, Alex, c'est nous là. Quand les roues elles penchent. Regarde comment ils ont poussé. Les roues elles penchent. Regarde. Ah oui, ils ont poussé comme des merdes. Ah ouais, vous avez vraiment. Voilà. Les gars, vous êtes. Mais elle était super lente la voiture. Et là, vous êtes d'une lenteur. Regarde, je vous jure, j'ai pas touché les freins. Voilà, là, vous êtes d'une lenteur. Oh purée, ouais, là, c'est lent. Là, c'est vrai. Après, les gens, ils lancent. Et là, je suis avec le chat, je dis, vous êtes lent. Et d'un seul coup, tu prends la bosse et là, vous allez. Et la première bosse, je sais pas si on va voir, mais moi, mes pieds, ils ont touché le sol. Il y a un moment, t'as failli te faire catapulter, ouais. Ouais. Regarde ça. La Valouz, il dit coucou à tout le monde, là, en légende. Non, toi, pas. C'est pas impressionnant toi la cam. Dans la voiture toi ça devait être un truc de la paille que tu devais manger. J'avoue t'as mis un headshot. Appelé. Valouz dit tiens, le dos ça allait toi? Ouais moi j'ai pas mal au dos. Non on avait un coussin en fait. Ok. Mais là on est lent de fou. C'est très très lent hein, putain. Ouais, c'est honteux. C'est vraiment lent là. Mais quand on est dans la voiture y'a pas cette impression. Elle est belle. On a le temps de la voir quoi. Le banking tu me prends trop bien. Mec y'avait pas cette impression dans la voiture. Ah y'a pas cette impression. Ça ah ouais, vous avez l'impression d'aller plus vite? Mais dans tous les cas, dans la voiture, je peux vous dire que la pente, elle fait vraiment. Ouais. Et les sauts, ils font peur. Hein. Parce qu'en France, on est ras du sol, nous en plus. Ouais. Donc t'as freiné. Non, voilà, tu viens de la voir. Non, il a pas freiné. Mais le chrono, il est pas si mauvais que ça. Ça va être une 0-1. Ah, une 0-1, pas une 0-3. Ouais, bon, ça reste pas. Une 0-1, ouais. Je pense que l'année dernière, on a fait quasi pareil. Je sais pas. Non, on avait regardé, je sais plus, 57, non? Non mais là c'était les roues hein, trop grosses. Ouais, je pense. Ouais. On me demande si ça glisse avec la paille. Ça glisse à mort. Hein. Ouais, ça glisse avec la paille. Ouais. Donc on était parti sur un bon feeling parce que a priori notre châssis était très bon pour la vitesse de pointe. Il était moins bon pour les atterrissages. Exactement. Ça s'est vu. Et avec trois roues et on avait que un frein à l'avant donc ça freinait pas de ouf. Ah oui. Il n'était pas tellement fait pour être à deux dessus non plus. Ouais, de base il est fait pour une personne. Et la chute c'était la plus impressionnante en vrai de cette mais édition. Mais comment vous avez volé? Vous avez vraiment volé. Comme ça. Tiens, il y a Redouane qui descend. Tu t'es fait un peu mal ou... Sur le moment, j'ai cru que je m'étais cassé un truc. Ah ouais. 5 minutes après, ça commençait à se calmer, mais. Ouais. C'est parti. Là, ouais, ça a vraiment poussé. Attends, mais la bombarde. Wow, il a un moteur. Attends, le bombarde. Non,
Pierrot, le virage. Oh non, mais il va arriver à 40, c'est même pas. Font. Non, il peut avoir le record. Il va avoir le record. On va réactiver. Oh non. Oh merde. Ça part sur une marche. Il était à 40. Il était à 40. Oui, il aurait fait un temps de 5. Il a pas freiné. En vrai, c'est la personne qui allait le plus vite de cette édition, mais malheureusement. J'ai pas vu ta course, du coup, vous avez pas freiné du tout. Non, pas rien. Rien. À aucun moment. Une minute, ils ont fait. Bah ouais, avec une minute, tu freines pas. Est-ce qu'ils ont travaillé en t-shirt le fou? Est-ce qu'ils ont travaillé une... Une Corée? Par contre, t-shirt, c'est vraiment dangereux, parce que là, s'il fait exactement comme vous, il s'arrache. Putain, c'est ce qu'on voulait faire. Donc, il est timide. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on aime. C'est marrant parce que nous, on l'entend. Evan, tes amis, là, à Toulouse. Ah, la voiture est stylée, quand même. Du coup, c'est une baignoire, de base. Ouais, à l'envers. Ah ouais? Ouais, c'est une baignoire. Ok. C'est une roue de scooter à l'arrière, du coup. En fait, sur les sauts, ça passe ou ça casse, hein. Ouais, c'est ça. Soit c'est très rapide, soit... Soit ça se zionde. Attention. Ah ouais, ils sont descendus, hein. Une roue de scooter, ça casse pas, ça. Oh, ils bombardent. Ils bombardent, là. Elle est stylée, quand même, en vrai. Pour le saut, attention. Attention. Ils ont pris l'eau, par contre. Bien. Ils sont en route, t'as moins de frottement, donc ça va plus vite, logique. Oh, par contre, les roues avant, elle a. Mais elle est bien équilibrée, leur caisse en vrai. Ouais. Elle tient le sol, hein. Si, ouais, ils sont quand même rapides, un peu rapides que nous. Ouais, ils sont plus rapides. C'est pas mal, hein. Ah ouais, bah là. Ah ouais. Oh attention. Non, ils vont nous manger. Ah, faut passer le dernier saut. Crache-toi. Non, 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 faut que ça casse les roues, là. Mais elle nous a tient le sol, hein. Oh, il nous a fumé. Ah non. Mais ils ont rajouté des bottes de paille depuis le début de la journée. Ouais, ouais, ouais. On a pris que ça pouvait faire ça. Ça fait mal quand même. Il a freiné par-dessus. C'est ce que t'as failli faire, mec. Il a pas freiné même à la fin. C'était impressionnant. On voulait péter le record, mais on a rien pété du tout. Hein. Je pense que vous avez pété le record de la vitesse quand même. Non, mais on est parti vite. Hein. Mais vous avez le record du temps. De quoi? On était parti vite et après, je me suis dit. Comme un con, j'ai écouté Luc Alphand qui a dit qu'il fallait bien prendre haut. Ouais, il fallait prendre haut. J'ai pris au maximum de la hauteur. Tu le passes, t'as le meilleur temps. Ouais, putain, ouais. C'est dommage. Hein. Elle était incroyable, votre voiture. Et vous avez fait mal ou pas? Non, non, non. Je sens plus mon corps, mais. Ouais, je. Et le public, ça a été? Ouais, c'était chaud. C'était parce que ouais, t'étais pas loin de finir avec eux, là. Ouais. Si j'ai un pack de froid, j'en ai plus besoin. Non, mais c'était sympa. Ouais. Donc, on a fait une bonne pole première moitié de course. Exactement. C'était la première fois que tu faisais des casas. Ouais, c'est la première fois. À deux droits, Tom Rider. À deux droits, Yo Win. Let's go, baby. Ah, mais je crois qu'on a gagné, 53 secondes, poteau! 53 secondes! On a fait combien? Il était écrit 58. Comment ça? Ça va, mec? La forme. Bien joué, gros. Ciao, les gars. Bien joué. Mettez-vous sur le front, excuse-moi. Ça a poussé, hein. Tiens, vas-y, de fou. Et toi, t'as volé. Non, moi, laisse tomber. Ça va, t'es pas fait mal? Non, franchement, ça va. Heureusement, j'avais les casques. Stratégiquement parlant, je me suis dit, j'ai de la puissance, donc je peux potentiellement les lancer beaucoup plus fort que la moyenne. Ah, c'est pour ça que vous avez gagné, du coup. T'as vu comment en fait. Mais au début, vous avez de la vitesse. Il y a une nouvelle méta. Il y a une nouvelle méta. J'ai cramé sur les 4 derniers participants. Ils continuent jusqu'à la piste. Ouais, on est d'accord. Ouais. Ils continuent et au dernier moment, ils lâchent. Et vous êtes la seule voiture à 3 roues à finir déjà. Non, on est la seule voiture à 3 roues tout court. Tout court. Non, il y en a une autre. Il y en a une autre. Il y en a deux ou trois autres. C'est 3 roues. Alors, votre voiture, en fait, elle a bien fonctionné au final. Ouais, mais elle était un peu lourde. Ok. Non, non, 62 piges et 47 ans. Allez, go, go, go. Il a laissé là. Ah non, je crois qu'il a laissé. Est-ce que la méta, elle est bonne? Ok, ça va aller vite, ça. Bon, pour l'instant, en vrai, on dirait pas, mais... Ça a l'air pas vite, là, si. Ouais, mais en bah, vidéo, c'est compliqué. Coups, on a pas l'impression, en fait. Bon, mais je crois que ça va vraiment pas. Non, franchement, Redouane, ça se voyait qu'il allait très, très vite. Ouais, moi, je les soupçonne d'avoir triché. Il y avait un moteur dans le truc. Moi, je soupçonne qu'il avait un moteur, carrément. Moi aussi. Moi, j'ai moins un truc électrique. Oh, ça passe clean, ok, c'est solide. T'as freiné? Non, je peux freiner. Il connaît t'as pas freiné? Je peux freiner. T'as vu quand j'ai drifté? Mais la roue elle s'est levée. Ouais, mais on en a encore deux. Ils ont fait un bon temps. C'est devenu une moto à un moment donné. 59, hein. Hey, ils ont fait un bon temps. Ils ont fait un bon temps. Mais comment ils sont arrivés comme ça tout doux? 60. Nous on est arrivés. Il a peut-être lâché un petit coup de frein. Eh les gars, bon skim. Bon, bisous les gars. Très bien, merci les gars. Ciao. Qui remporte? Attention, qui remporte? Red Bull Kessa Savon 2024. Accueillons les gagnants de Red Bull Kessa Savon 2024. Flex Team. Bien joué. Putain, c'est les premiers à être passés, les gars. Dites-vous, ouais. c'est les premiers à être passés. C'est une dinguerie. Ils ont passé toute l'après-midi à serrer les fesses. Ouais. Le trophée est remis par la légende. Et eux, c'est mérité. Ils ont tellement bossé sur le. En fait, c'est la seule voiture où ils ont mis un système de. Paris-Dakar. Ouais. Ça chavire, quoi. C'était incroyable. C'était incroyable. C'était mieux à vivre que la session d'il y a deux ans.
Bon, forcément, moi j'ai pas pu trop vlog parce que bah, on était en live toute l'après-midi. On s'est régalé à suivre ça. Un peu mal quoi. J'avoue que là j'ai des bosses partout à mes jambes. Parce que là ça fait 2 heures on s'est pas levé. Mec, c'était il y a 2 heures. Hein. Prochaine fois on va essayer de le refaire, mais. Pour gagner. Pour gagner et au pire on se met une bonne armure. Comme ça on prend tous les risques. Ça marche ? Ouais, c'est pas mal. On a un blessé de guerre, les amis. Les gars, on fait contraste ? Ouais. Merci les gars, ciao. Fin de ce week-end qui était bien cool, les amis. Franchement, j'ai kiffé. Les passagers là. Qui a-t-il ? Ah, mais putain, vous êtes là, vous ? On t'agresse. On te fait un petit excusez-moi, bisou. Excusez-moi, les gars, je savais même pas que vous étiez là. Mais t'inquiète, tu nous bah, gros bisous. Non, mais tu sais, c'est pas grave, tu vas faire un petit tour dans les Water Challenge, toi aussi. Mais tu tombes pas à l'eau, tu vas boire la tasse. Ils veulent me gratter. Et oui, on veut. On en parle, on en parle, on en parle. Devenir un humain encore meilleur pour que tes enfants soient fiers de toi. Oh, si ça, c'est pas un truc. On en reparle. On en reparle sur Insta si vous voulez en vrai. Vas-y, mais ça peut me chauffer en vrai. C'est vrai ouais. Merci à vous. Hein. Très bien, ciao l'équipe. Ciao. Combien de temps de route ? 5h50. Il fait chaud là à Toulouse. Hein.